me présente, je suis Éric Belli, rédacteur en chef adjoint de la République des Pyrénées et l'Éclair. Je suis très heureux de recevoir ce dimanche après-midi pour Les Idées Mènent le Monde l'un des grands entrepreneurs du Béarn, Philippe Cascarère, PDG fondateur d'APR UBI, un groupe de nettoyage industriel, d'amélioration de l'habitat, d'entretien, de service à la personne. Philippe Cascarère. Philippe, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? On va essayer de vendre des trucs, on va voir. Des bouquins déjà. Mais est-ce que vous seriez imaginé un jour être là, sur le plateau des Idées Mènent le Monde, entre Marek Alter, Patrice Duhamel, Rachel Kahn ? Non, effectivement, Philippe Cascarère, écrivain, faire un bouquin, non, j'aurais jamais pensé être là. Je pars de tellement loin. Vous avez une vie particulière ces dernières semaines. Vous enchaînez dédicace sur dédicace. Alors, à la FNAC. Effectivement, je ne pensais jamais que mon livre susciterait autant d'enthousiasme. Merci à ceux qui sont présents aujourd'hui. Je dois avoir plus de 200 messages, textos, lettres. J'ai même des lettres écrites sur mon téléphone de gens qui ont lu mon livre et qui me félicitent. Pour le moment, je n'ai aucune insulte, je n'ai rien du tout, tout va bien. Alors, on va parler de ce livre. Vous êtes là parce que justement, vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Confession d'un autodidacte audacieux » qui retrace votre vie et votre parcours proprement, au sens propre du terme, hors du commun, extraordinaire. Pourquoi cette démarche à ce moment de votre vie ? C'est pour transmettre ? J'imagine que ce n'est pas pour transmettre votre goût des Porsche. Alors, on parle de ces Porsche. Hein. J'en ai une à vendre, d'ailleurs. Non, ça, plus sérieusement, j'ai voulu surtout d'abord témoigner à l'aube de ma vie d'entrepreneur. J'ai voulu témoigner sur les valeurs et la façon dont j'avais construit mon parcours professionnel. Au départ, il y a une quarantaine d'années, j'ai monté cette fameuse entreprise de nettoyage, Agence Paloise de Rénovation, qui est devenu au fil du temps le groupe APR, UBI, et qui aujourd'hui, il paraît, et j'en suis même persuadé, que c'est devenu une aventure professionnelle réussie, APR, le jeu de mots. C'est le sous-titre de l'ouvrage. Alors, vous voulez transmettre à vos enfants ? Et après, deuxième chose, c'est surtout transmettre. Transmettre d'abord, bien sûr, à mes enfants, qui ont fait le pari de me rejoindre, Thomas et Laurie. Aujourd'hui, je les en remercie, ils sont très courageux. Je voulais quand même leur transmettre la façon dont je voyais les choses. Je voulais aussi transmettre à mes collaborateurs présents et surtout à venir, qui est une trace qui reste. Mais il y a une chose aussi qui me tenait à cœur, c'est transmettre à mes adorables petites filles, Stella et Chloé, qui disent souvent « Papy fait plein de bêtises ». Un jour, elles verront que papy n'a pas fait que des bêtises. Au-delà de vos enfants, de votre famille, vous les transmettre à la jeunesse. Vous le dites souvent dans le livre. Tout à fait. Ce livre va me servir aussi d'engager un dialogue avec les jeunes, parce que je suis vraiment très sensible à ça, la jeunesse. Et je trouve qu'il y a une jeunesse, une partie un peu désœuvrée. Et ça me tient à cœur. Mais pas uniquement à cette jeunesse, je veux aussi au futur, aux gens qui veulent être entrepreneurs. Je ne sais pas, il y a 2-3 jours, il y a une dame, je ne sais pas si elle est dans la salle cet après-midi, elle m'a téléphoné, elle m'a dit comment on fait pour venir aux Idées Mènent le Monde. Alors je lui ai dit comment il fallait prendre la place. Elle m'a dit parce que j'ai un fils de 18 ans, il veut venir vous écouter parce qu'il a envie de faire du business plus tard. Ça, c'est une très belle chose. Alors s'il est là ce soir, cet après-midi, si un jour il fait du business, je n'aurais pas fait mon livre pour rien. Voilà. Vous avez travaillé pendant un an sur cet ouvrage, notamment avec Jean Marzioux, ancien rédacteur en chef de La République et de l'Éclair, qu'on salue. Vous êtes quelqu'un, finalement, au-delà du côté bling-bling dont on reparlera, vous êtes quelqu'un d'assez pudique quand on vous connaît un peu. Est-ce que cet, entre guillemets, accouchement a été facile pour vous ? Comment s'est passé ce travail d'écriture ? C'est des rencontres. Moi, j'ai passé toute ma vie, j'ai fait des rencontres. Des fois improbable, atypique, et j'ai souvent rebondi dessus et je m'en suis servi. J'ai eu des belles histoires avec des tas de gens différents. Et un jour, j'ai rencontré M. Jean Marzioux, qui était rédacteur en chef du groupe Pyrénées Presse. Je l'avais rencontré au Sénégal lors d'un Paris-Dakar.
Et puis on était resté en contact. Une fois par an, je mangeais avec ce monsieur parce que je le trouvais très cultivé. Et quand je sortais de table avec lui, j'ai l'impression que j'ai appris plein de choses. Donc, au départ, ce n'est pas tout à fait les mêmes personnalités. Non, on n'est pas tout à fait, mais on est devenus très, très amis. Et je crois qu'il m'écoute en direct. Et là, depuis chez lui. Mais aujourd'hui, je l'ai appelé parce qu'il m'avait aidé un petit peu quand j'ai reçu ma médaille à Bercy. J'avais fait un discours. Faire un discours pour aller rencontrer M. Bruno Le Maire, ce n'était pas évident. On en reparlera aussi. Et je l'avais rencontré à ce moment-là. Il m'avait un petit peu aidé. Il m'avait corrigé deux, trois trucs. Et un jour, je l'appelle. Je lui dis, écoute, Jean, peut-être que si je travaille moins, peut-être que La République fera un article. Et si tu pouvais me donner une, deux phrases un peu qui sortent un peu l'ordinaire. Il m'a dit, mais un mec comme toi, ça fait pas un article de La République, ça fait un livre. Et j'ai réfléchi, et puis du coup, j'ai dit, OK, on tente le coup. On a mis plus d'un an à écrire ça, j'ai mis plus d'un an. On se voyait tous les jeudis, je m'enregistrais, je parlais, on allait manger ensemble. Et après, il écrivait chez lui, je lui envoyais le week-end, je retravaillais ce que j'avais fait. Et il me le remettait, bon, bien sûr, en quelque chose qui était plus agréable à lire que la façon dont j'avais écrite. Mais lui, il n'a pas changé grand-chose. On vous reconnaît d'ailleurs, en lisant le livre, on reconnaît votre phrasé, votre façon de dire les choses. Et il me faisait rire parce qu'il écrivait en parlant tout fort et sa femme lui dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Il lui disait « je fais du casse-carrière ». Alors justement, ce livre, c'est un peu vous rembobiner vos souvenirs. Donc on va se replonger un peu là-dedans, dans votre parcours, à travers quelques moments un peu clés. Alors Philippe Cascara, vous êtes un palois pur jus, difficile de faire plus palois que vous. Vous êtes né 35 rue Carnot, vous êtes issu d'une famille mi-commerçante, mi-ouvrière. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Quelles sont les racines profondes de Philippe Cascara? Bon, j'ai une enfance normale. Après, chacun a, comment on peut dire, assez... je ne sais pas tellement le mot, mais bon, oui, on a tous nos problèmes d'enfance. J'avais un père qui avait eu un accident quand j'avais 10 ans, donc il criait beaucoup du matin au soir. Et voilà, j'ai une enfance, je vivais dans 50 mètres carrés. C'est pas très poli, mais je lavais le cul dans une bassine le dimanche, et puis voilà, j'avais une vie normale. Par contre, j'étais très choyé par ma maman, elle se relevait les yeux pour me les donner. Donc je faisais un petit peu ce que je voulais, j'étais un peu livré à moi-même très tôt, parce qu'avec mes parents, j'ai appris une chose, un, le travail, deux, le travail, et trois, le travail. Et jamais de vacances, mais bon, c'est pas très grave. Il y a eu ce tournant familial dont vous parlez, et personnel, votre père qui se blesse gravement au pied en 1961. Vous avez quoi, 7-8 ans à l'époque, ouais. Vous en parlez dans le livre avec pudeur, mais vous en parlez. Est-ce une raison du manque de communication entre vous et votre père? Vous êtes un peu jamais vraiment rencontré finalement. C'est un regret aujourd'hui, ça? Ben oui, je suis allé au cimetière l'autre jour leur montrer le livre. Bon, il pleuvait, je ne l'ai pas laissé. Mais comment ça s'appelle? Oui, on ne s'est jamais parlé. Bon, je vois aujourd'hui à mes petites filles, ben on se parle, machin. Et d'ailleurs, je vais faire une aparté, mais j'ai eu un très beau compliment sur mon livre. Mais ma fille m'a dit, papa, je n'ai pas appris grand-chose dans ton livre, ça veut dire qu'on s'est parlé. Donc voilà, j'ai rattrapé. C'est un beau compliment. Et mon fils, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, m'a dit, je craignais le pire avec toi, ton livre est sobre. Il n'a pas tort non plus. S'il y a une chose que vos parents vous ont transmise, donc c'est la valeur travail, si vous insistez. Mais avant le travail, il y a eu l'école. Quel était votre rapport avec l'école? C'est important par rapport au message que vous souhaitez faire passer à la jeunesse aujourd'hui. Comment était l'élève Philippe Cascarère? Sage, turbulent, au fond de la classe, distrait? J'ai un souvenir. J'ai quitté l'école à 17 ans et j'étais en 3e, donc j'avais quand même pas mal de retard. J'ai commencé à redoubler, ça ne s'appelait pas le CM2 à l'époque, ça s'appelait la 7e. Alors j'ai commencé à redoubler en 7e. Moi, j'ai fait toutes les écoles. Si vous achetez le livre, vous allez voir, tout est marqué. Mais je ne vais pas tout raconter, mais j'ai un souvenir, j'avais juré à ma mère, je rentrais en 3e, parce que j'étais pensionnaire à Nail. J'ai dit, maman, cette année, je te promets, je travaille, je suis en 3e. Premier cours, c'est marqué dans ma tête depuis l'époque. Premier cours d'anglais. Ça faisait pas un quart d'heure que ça avait commencé, j'étais déjà à la porte. Moi, je me suis dit, ça ne changera jamais. J'ai toujours été très dissipé.
Vous vous assumez autodidacte, mais pas sans diplôme. Vous décrochez, vous avez la légitime fierté de ça, le certificat d'études. Néanmoins, vous arrêtez vos études. Mais alors, c'est étonnant dans le livre. D'ailleurs, vous êtes raccord avec le thème de « Ces idées mènent le monde ». Vous avez l'espoir en vous. Vous vous dites, à ce moment-là, vous n'avez pas 17 ans, « J'ai la certitude que les années à venir seront prometteuses ». Où puisez-vous cette certitude à ce moment-là? Ben, vous savez, moi je suis un garçon, j'ai des phrases toutes faites, puisque ma Bible c'est les échos, je me marque des phrases, je m'écris des trucs tous les jours, et encore hier, encore ce matin, bon peu importe. J'ai des phrases toutes faites. Moi je pars du principe, c'est ça que je voudrais inculquer aux jeunes que je rencontrais, puisque je dois rencontrer, et j'espère le plus possible, c'est que moi j'ai un principe, et en tant que j'ai compris que si tu travaillais un peu dur, tu pouvais avoir une vie plus facile. Et alors, je ne suis pas très bon en anglais, mais on dit « hard choices, easy life ». Choix difficile, vie facile. Et ça a toujours été un peu mon credo. Et puis, je pense que n'importe où tu viens, tu peux y arriver. Par contre, il faut travailler. Et j'ai l'impression aujourd'hui que le mot « travail », je me demande si demain, ça ne va pas devenir un gros mot. Voilà, mais bon, il faut travailler. Il y a un rapport au travail qui est en train de changer, oui, un petit peu. Oui, mais bon, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, on verra. Mais par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est persévérer. Parce que travailler, il ne faut pas non plus laisser sa santé, sa famille, il y a d'autres choses dans la vie, je sais très bien. Mes enfants me l'expliquent, ils me disent, papa, il n'y a pas que ça, tu comprends. Mais il faut persévérer quand même. Je voudrais faire une rectification, j'ai aussi le BEPC. Excusez-moi pour cet oubli, Philippe. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai eu BEPC. Parce que ma mère m'avait promis une pièce. Et à l'époque, je ne sais plus, ma mère, on s'en fout la somme. Et c'est la première fois de ma vie que j'étais parti en vacances en Espagne. Je n'étais jamais sorti de chez moi. Et avec cet argent, j'étais parti en vacances en Espagne. Vous étiez où? À Benidorm, il n'y a que les boîtes de nuit. Donc c'est... Ça ne m'étonne pas. Je n'allais pas aller à Compostelle, hein, ce n'était pas le truc, ce n'est pas mon genre. J'irai un jour peut-être. Ce goût pour la valeur travail, ça on peut dire que c'est la transmission de vos parents. Votre père, d'ailleurs, c'est votre père qui vous donne du travail quand vous arrêtez vos études au sein de l'entreprise de pressing familial. Vous avez 17 ans, votre première fiche de paye. Que signifie-t-elle pour vous, cette première fiche de paye? Ben, la liberté, parce que moi, là aussi, dans mes phrases, dans ma vie, moi, je pars du principe que l'argent... que tu dépenseras beaucoup plus facilement l'argent que tu te gagnes que l'argent qu'on te donne. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est le moment. Oui, tout à fait. Mais moi, je crois que l'avenir, il n'est pas tellement au ministère de l'économie à Bercy, mais pour moi, il est plutôt au ministère de l'Éducation nationale. Parce que quand je vois aujourd'hui les aides, on donne des aides, donnez-moi, et puis on donne de l'argent, et le mec, il tient avec son pied, il soutient le mur, il ne fait rien. C'est pas l'idéal. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut former les gens. Aujourd'hui, on est à quand même 100 000 jeunes par an qui décrochent. La plupart ont moins de 15 ans et ils sont mauvais en maths et en français. Bon, moi, j'ai réussi, d'accord, mais tout le monde ne peut pas faire comme j'ai fait, moi. Et ça, aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on est pratiquement en plein emploi, on ne trouve personne pour travailler. Bon, il y a des gens qui ont des diplômes, qui s'envoient pour trouver du boulot, ce n'est pas facile non plus, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais si on formait tous ces jeunes au métier de 2030, on aurait peut-être un bel avenir. Mais il faut aller dans les écoles, il faut aller leur expliquer, il faut aller partout, dans la fac, il faut leur montrer que le boulot, c'est l'indépendance, c'est la vie, c'est la liberté. Il y a plein de raisons d'espérer dans le travail, dans l'entreprise. On passe plus de temps au boulot qu'à la maison, moi pour ce qui me concerne. Mais mes collaborateurs aussi, ils bossent, j'appelle. Alors, on va reprendre le fil, Philippe. Il y a le travail, mais il y a aussi, vous le dites dans le livre, il y a aussi la détente, la fête, les amis, les sorties le soir. Vous jouez au tiercé, et justement, à 22 ans, un jour, vous gagnez 30 000 francs à l'époque. Que faites-vous de cet argent, et en quoi ce tiercé, quelque part, a changé votre vie? Ben, comme je dis dans le livre, le tiercé m'a mis le pied à l'étrier. J'ai travaillé chez mes parents, et mon père. Mais aujourd'hui, j'aurais pu se parler avec vous qu'avec mon père. Donc, vous voyez, c'était un peu compliqué. Mais bon, comme disait ma mère, c'était l'époque. Et je ne leur en veux pas du tout, d'ailleurs.
Et je gagne 30 000 balles, je travaillais avec eux, et c'était compliqué, la relation. Je tenais un pressing Place du Forail. Je me vois aller mal rester toute ma vie dans un magasin, dans un pressing. Puis au début, ça marchait, puis à la fin, il y avait des pressings dans tous les supermarchés, il y en avait partout. Bon, c'était plus le boulot idéal de l'avenir. Et je rencontrais des représentants qui venaient me voir et qui me disaient, vous devriez acheter une machine pour nettoyer les moquettes chez les gens et les tapis, parce qu'à l'époque, les gens, ils avaient des beaux parquets. Et ils les recouvraient avec des belles moquettes, blanches, jaunes, toutes les couleurs. Il fallait bien les nettoyer. Et quand j'ai gagné ces 30 000 balles, 30 000 francs, pardon, l'équivalent de 4 500 euros, ben j'ai acheté une machine à nettoyer les moquettes et j'ai fait de la pume. Monsieur Labarrère m'a appelé, il m'a dit, si j'étais pas fou, j'avais le pont d'Espagne venait d'ouvrir à Pau, j'ai tapissé une nuit tout le pont d'Espagne, un nettoyage, salon, tapis, moquette. Il m'a appelé, il m'a dit, mais ça va pas, monsieur, il faut tout enlever. Et j'ai commencé à nettoyer chez les gens, les canapés, les fauteuils à quatre pattes. Et voilà. Et tout vous-même, vous êtes tout seul à l'époque. Et j'ai travaillé pendant deux, trois ans tout seul, parce que je gagnais ma vie. Bon, je ne sais pas s'il y a des mystères des impôts ici, mais à l'époque, on faisait pas mal de blagues, donc je gagnais ma vie. Bon. C'est fini, ça, j'espère. Maison de verre. J'ai la meilleure note Banque de France, donc pas de problème. À partir de ce moment-là, ce livre qui est sous-titré justement Journal d'une aventure professionnelle réussie, APR, devient aussi l'histoire de la construction d'une entreprise, pierre par pierre, je dirais. La première pierre, c'est le choix du nom APR. Pourquoi ? Mais à l'époque... Parce que ça commence par un A, c'est ça ? À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc j'ai pris Agence Paloise de Rénovation, comme ça j'étais le premier dans l'annuaire. De toute façon, dans la vie, il faut toujours être le premier, n'importe quoi. Le premier au championnat du monde de bise, ce que tu veux, ou lancer le caillou, mais il faut toujours... Moi, j'ai toujours voulu être le premier. Quand je vais à la plage, je vais jusqu'à la bouée. Donc, j'ai appelé ça APR, parce que c'était intéressant. Et puis, comme j'aimais le rouge, je suis devenu rouge. Bon, l'idéal, ça aurait été peut-être bleu, vert, mais bon, trop tard. Donc, pendant longtemps, vous mettez vous-même la main à la tâche, y compris à la République d'ailleurs. C'est vrai. En Algérie, vous rendez en Algérie. Racontez-nous un petit peu le début de cette entreprise avant de devenir un groupe plus structuré. Bah, j'ai travaillé pendant 2-3 ans tout seul. Et j'avais un ami bien connu, coiffeur palois, qui était à l'époque. Il m'était allé chercher les canapés le lundi parce qu'il ne travaillait pas chez les clients. Et puis, j'ai nettoyé. Si vous voyez mon bouquin, il y a les photos des canapés, des fauteuils dehors devant chez mes parents. J'ai commencé à travailler dans le garage chez mes parents. J'ai démonté les boutons des housses de canapé, je les lavais, je les nettoyais. J'ai fini par embaucher, je me suis arrêté à Cité Fouché, j'ai ouvert mon camion, j'ai dit, il y en a un qui veut bosser, ouais monsieur, il est monté dans le camion, j'ai embauché. Bon, maintenant c'est plus sérieux hein, chez nous. Mais bon, il est monté dans le camion. Et après, j'en ai embauché un, j'en ai embauché deux. Après l'Algérie, si vous voulez parler d'Algérie, ma mère me servait de... Donc, je travaillais dans un garage, hein, dans 30, 40 mètres carrés, dans la villa chez mes parents, derrière la route de Bordeaux. Et après, ma maman tenait le pressing Place du Forêt, elle continuait à le tenir un petit peu, et elle me servait de secrétaire. Et chaque fois que je passais au Forêt, elle me disait, il y a un monsieur Ribateau, il t'appelle, il faut que tu l'appelles parce qu'il a des chantiers à faire en Algérie. J'ai dit, ouais, c'est ça, ouais. C'est comme si on m'avait dit, tu vas venir aux idées mains de monde, toi, ou écrire un livre. J'ai dit, ouais, c'est ça, tu peux croire. Et puis, bon, à chaque fois, elle me le disait, ma pauvre mère, elle me le disait. Puis je finis par appeler Ribateau, et puis Ribateau, ben, effectivement, Ribateau, il existait. Il m'a dit, monsieur, je vous attends à côté de Mourinx. Et je m'en vais à Mourinx. Et comment ça s'appelle Et je suis rentré dans des bureaux chez l'entreprise Charles Baumer. J'ai toujours eu des modèles dans la vie. J'avais un ami quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à monter ma boîte, quand j'étais jeune. Bon, il n'est plus là, il a eu un destin un peu particulier, mais il s'appelait Alain Pitoun. Il roulait en Ferrari, il montait des agences partout. Il me disait, peut-être qu'un jour, moi aussi, je roulerai des belles bagnoles. Il m'avait donné envie. Mais quand je suis rentré chez Baumer, alors lui, il m'a fait tout péter. Parce que des bureaux partout, des secrétaires partout, des computeurs, des machins. Un très bel homme. Et je me suis dit, un jour, j'aurai ça. Et du coup, voilà. Ce monsieur Charles Baumer, je ne remercierai jamais assez. Bon, il n'est plus là, il n'est plus de ce monde. Mais c'est vraiment lui qui m'a donné envie de monter un truc pareil. Oui, parce qu'être autodidacte, c'est aussi se donner la capacité d'apprendre tous les jours, d'être inspiré par des modèles. C'est quelque chose qui vous a suivi tout au long, encore aujourd'hui. J'ai toujours des modèles. Mon énergie, parce qu'on trouve que j'ai beaucoup d'énergie. Bon, c'est d'abord dans le sport, je suis triathlète. Mais
J'ai dû voir une quinzaine de fois le concert des Rolling Stones. Chaque fois que je vois Mick Jagger, il me remplit d'énergie, il me fascine. Ben, j'espère toujours, à son âge, avoir toujours la même énergie. Il faut l'énergie. Après, il faut une famille, il faut faire aussi attention. Vous êtes aussi très vite devenu précurseur localement en matière de publicité. Quelle était votre intuition là-dessus ? Ben, j'ai jamais été pour vivre heureux, vivre en cachet, c'est pas mon truc. Donc, je suis un peu voyant. Et puis, à l'époque, les gens, ils mettaient des plaques sur les voitures. Tu mettais nettoyage, et puis au premier dos d'âne, tu perdais la plaque. Donc, moi, j'ai dit au peintre, tu m'écris nettoyage sur mon camion. Et voilà, j'ai commencé à écrire ça. Je me collais moi-même des affiches la nuit. Vous étiez dessus ? Vous étiez déjà dessus sur les affiches ? Moi ? Oui. Non. C'est un côté qu'on vous reproche toujours. Alors j'ai bien changé parce que c'était un petit bonhomme tout rond. J'ai changé, c'est pas moi. C'est un côté qu'on vous a reproché ensuite, un peu par la suite, votre côté, votre ego, un côté un petit peu bling-bling. Est-ce que finalement, c'est pas une des clés de votre réussite ? Ce travail sur l'image, c'était aussi calculé ? Ah, cet ego, on me l'a souvent reproché. Mmh. Mais moi, je sais pas. Vous savez, moi, dans ma ville, je vais vous faire une confidence. Il y a au moins 5 entreprises à Pau qui font, le plus pauvre, il fait 3 milliards, l'autre, il en fait 10. Ils sont à vol d'oiseau, à 1 km de mes bureaux. Si je vous dis Atalian, vous allez me dire, qui c'est Atalian ? C'est un petit, ouais, il fait 5 milliards. De Richebourg, il en fait 20 ou 15. Ces gens-là sont là. Et si je n'avais pas fait tout ce bruit, tout ce cinéma, tout ce qu'on peut me reprocher, d'ego, de machin, de trucs, bon, aujourd'hui... Ben, dans mes bureaux à Lens, on est une cinquantaine de personnes d'ailleurs, je fais 3000 bulletins de paye, ben, ça n'aurait pas existé. Donc, oui, puis je pense que j'ai un copain un jour, il m'a dit, mais tu es devenu une marque, tu veux ça, ben, appelle APR, tu veux ça, tu veux déboucher les toilettes, appelle APR, tu veux garder tes enfants, appelle APR. Et on est devenu une marque, voilà, multimétier, multiservice. Est-ce qu'il faut être un peu... Des compétences, parce que ce que j'ai fait aussi dans ma vie, c'est que j'ai su quand même m'effacer devant les compétences. Je suis bien m'entouré. Savoir déléguer, c'est aussi une... Voilà, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont là avec moi. Et j'ai su déléguer, j'ai su... Bon, après, il a fallu vivre avec moi, je suis un peu atypique, mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il faut être un peu beaucoup séducteur pour être un bon entrepreneur ? Ah, séducteur. Bah écoutez, ma maman, elle m'a fait grand, brun, aux yeux bleus. Je m'en suis servi un peu, ouais, pas mal. Elle m'a raté un orteil. Grâce à ça, j'ai pas été au service militaire. Bon, je suis pas anti-militariste, pas du tout. Mais pour moi, c'était un peu une perte de temps. Donc, non, oui, bah, il faut. Bah, ça sert. Hein, il faudra demander à mes collaboratrices. Elles ont toujours. Elles sont restées avec moi. Personne ne s'est plaint. Comment ? Personne ne s'est plaint. J'ai vu qu'il y avait un article l'autre jour dans un journal où on m'a dit regard au bleu d'acier. Bleu d'acier, ou je sais pas comment on a dit. Donc, bon, effectivement. Bleu d'azur et bleu d'acier, c'est pas pareil. Ouais, je sais plus, j'ai pas, je vois et toi, j'ai même pas, je suis habitué maintenant. Autre clé qui ressort en lisant votre. C'était une réplique dans James Bond, bleu d'acier, donc enfin, dites-moi. Autre clé de votre réussite, c'est la curiosité. Vous êtes en permanence à l'affût d'idées nouvelles, prêt à saisir la balle au bon. Vous lisez les échos tous les jours. Vous qualifiez d'opportuniste et pour vous, ce n'est pas un gros mot. Ben non, il faut savoir. J'ai un principe, j'en ai plein de principes. Mais les trains, ils partent à l'heure, il faut y monter dedans. Et le jour où il arrive, si tu n'es pas dedans, ben, salut, va-t'en. Comme je dis souvent, comme je le dis dans mon livre, je lis les échos tous les soirs depuis 15 ans. Je les regarde, je ne lis pas tout, je les regarde en entier, je ne comprends pas tout, je les lis. J'ai souvent trouvé des idées. Vous avez senti venir la silver economy, notamment. Bill Gates, il parlait des toilettes, ben, je loue des toilettes. Bon, je n'ai pas copié Bill Gates, il ne loue pas les toilettes. Mais ça veut dire que s'il y a un intérêt aujourd'hui pour ce genre de choses, le service à la personne, on fait aujourd'hui l'amélioration de l'habitat pour les personnes à mobilité réduite. On appelle ça la silver economy. Bon, oui, il faut être opportuniste. De toute façon, ben, qui n'avance pas, recule. Et puis, de toute façon, il faut avancer. Tu as une entreprise, il y a des gens à faire vivre. Les gens qui sont entrés chez moi, pour la plupart, qui sont encore là aujourd'hui, ils ont commencé à l'âge... Il y en a, ils sont venus en stage à l'âge de 17 ans, 18 ans. Ils sont toujours là, ils ont fait des crédits, ils sont mariés, ils sont là. Il faut faire vivre une entreprise. C'est du stress, une entreprise. Il faut que l'argent rentre. Et puis, c'est une belle histoire. Et racontez-nous là... Aujourd'hui, j'ai même des gens chez moi, la deuxième génération, qui commencent à rentrer chez moi. Et ça, c'est une très belle chose.
Et pendant la période Covid, ce sens des opportunités vous a servi, racontez-nous. Ah, Covid. Vous étiez le seul à avoir des masques sur tout Berne, je crois. Ouais, là, j'étais, je sais pas s'il faut le dire, mais j'ai pas été mauvais là-dessus, sur le coup. Franchement, j'ai pas été mauvais. Bon, j'ai quand même offert des masques à la clinique, à Mme Gaucher. J'avais gardé des vieux masques de l'époque de Mme Bachelot, c'est ça ? J'avais gardé les masques. Et puis d'un seul coup, j'ai compris. Je n'ai pas été confiné une heure, une minute, un jour, une seconde. J'ai travaillé comme un malade. J'ai senti l'opportunité. Je me suis mis dans tous les endroits, toutes les rations. J'ai trouvé plus de 100 000 masques ou 150 000 masques. J'ai commencé à acheter du gel en petits flacons comme ça. Je l'ai acheté après en tonnes. J'ai acheté des gants. J'avais une boutique à l'époque. Les gens, ils faisaient la queue dehors pour acheter des masques. On me téléphonait. J'ai jamais eu autant d'amis. Je vendais des masques. Je vendais des masques. Bon, j'ai jamais vendu de drogue, mais je vendais des masques comme si je vendais de la drogue. Je t'en donne que deux paquets parce que les autres, je les garde. Bon, alors on les vendait 50 euros la boîte. C'était un peu cher, mais je les payais cher aussi. Je me souviens au mois de septembre, en pleine. J'étais le seul à faire la pub. Pendant le Covid, oui. Oui, mais j'ai un souvenir qui date de septembre dernier. On parlait du retour des punaises de lit partout en France. Je me dis, tiens, c'est pas normal que Philippe Cascaire n'ait pas appelé pour faire la publicité. Hop, le lendemain dans le journal, qu'est-ce que je vois ? Une publicité sur les punaises de lit par APR. On fait les tops, les mulots, on fait tout. Chorizo, on fait tout. Mais non, alors, je vais vous dire, je vais vous faire un aveu, on a fait un bide. Alors, il paraît que c'est les Russes qui ont dit qu'il y avait des punaises de lit en France ou à Paris, ou je ne sais pas. Ben, on a fait un bide parce que des punaises de lit, ben, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas, dormez bien, soyez tranquilles. Mais on a quand même montré qu'on était là, s'il fallait. Alors, on fait du préventif dans les prisons, dans des hôpitaux, dans des universités. On fait au Crous, tout ça, on fait du préventif. Mais il faut être opportuniste. De toute façon, si ce n'est pas toi, c'est un autre. Une entreprise comme la vôtre, ce sont des ça transparaît dans le livre. Je trouve ça chouette. Ce sont aussi des relations humaines. Comment les cultive-t-on quand on grandit et qu'on devient un groupe de 3000 salariés ? En étant présent, étant passionné. Vous parliez du Covid tout à l'heure. J'avais inventé un truc. Ça s'appelait le pastis tour. J'allais acheter des pastis d'Amélie. Et je partais à ma bagnole, j'étais le seul sur la route. D'ailleurs, ils m'ont quand même pris au radar. Il n'y a que moi sur la route, ils m'ont chopé. J'allais dans les entreprises, je donnais rendez-vous à mes ouvriers sur les parkings. Et je leur offrais des pastis et on mangeait du pastis avec eux. Je partais à Agen, partout, dans toutes les agences, dans les Landes. Je livrais mes pastis tour. Et les relations avec les gens, ben c'est humain. Moi, j'ai des belles histoires chez moi. J'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui ont commencé au bas de l'échelle. Aujourd'hui, ils ont des voitures 5 portes, pas des Porsche, mais des Mercedes, ils ont des voitures, ils sont devenus cadres, ils ont passé la vie avec moi. Ça n'a pas toujours été facile, effectivement, mais non, c'est une belle histoire. Puisque la preuve, maintenant, j'ai la deuxième génération qui arrive. Donc, leur maman a pas dû leur dire, salopard, viens pas chez lui. Hein. C'est facile de travailler avec Philippe Cascarer ? Alors... Il y aura la question après. Je vois ma collaboratrice qui m'a supporté pendant des années en face de moi, Linda Chopper. Elle avait plus de 20 ans qu'elle était avec moi. Elle a commencé dans des bureaux pourris au Soust. Elle est restée avec moi. Il faudra peut-être lui demander à la sortie. J'ai appris qu'à l'époque, j'avais une voiture rouge. Elle disait, attention, il y a le diable rouge qui arrive. Bon, donc, ça veut tout dire. Non, c'est pas toujours facile. J'ai un langage qui ne plaît pas toujours à ma fille, qu'elle entend. Mais je suis humain, je suis généreux, je les ai aidés, ils m'ont aidé. Comme je dis toujours, à 2h du matin, si je crève en voiture, s'il pleut, je peux en appeler une dizaine, une quinzaine, ils viennent me chercher. Je reviens au milieu des années 2000, APR grandit, vous décrochez de gros marchés à Paris, vous finissez par faire Polytechnique. Ouais, si ma mère était là, elle aurait dit, mon fils, il fait Polytechnique. Il dit, comment ? Non, je n'ai pas bien compris. Ouais, j'ai fait Polytechnique, tu te rends compte ? L'Assemblée nationale, Polytechnique, Conseil d'État. C'est magnifique. Et là, j'ai vu où allait notre argent, c'est magnifique, Conseil d'État. Si un jour vous y allez, c'est très, très beau. Je vous recommande. Je ne sais pas ce qu'ils y font, mais alors, qu'est-ce que c'est beau ?
la, tu vois personne. Tu, bon, c'est magnifique. Non, ouais, j'ai racheté une boîte à la barre du tribunal à Paris, à Versailles en plus. J'ai eu la chance de faire Polytechnique. Mais Polytechnique, c'est très mal passé parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai rencontré les greffes. Je n'ai pas une greffe jusqu'à présent. Puis maintenant, ce n'est plus mon problème, mes enfants se démerdent. Mais comment ça s'appelle j'avais une trentaine de personnes, c'est un très gros marché. Et les gens avaient appris que si on ne faisait pas le ménage pendant un jour, on avait genre 5, 6 ou 7 000 euros d'amende de ne pas faire le ménage. Et donc, de temps en temps, ils t'appelaient, ils voulaient une augmentation, autrement, ils ne venaient pas bosser et ça te coûtait 7 000. Alors, une fois, deux fois, trois fois, tu partais de Pau, Paris, l'avion, machin, un truc. Donc, à un moment donné, quand il y a eu l'appel d'offres de Polytechnique, j'ai dit, bon, ben, salut, j'ai fait des photos, j'ai vu Polytechnique. Vous êtes aussi allé sur les bancs de l'Assemblée nationale, en quelque sorte, en nettoyant l'hémicycle. Ceci nous amène à la polémique avec François Ruffin, que vous abordez hein, de front dans le livre. On sent que vous avez envie de répondre et d'argumenter, de vous expliquer. François Ruffin qui vous accuse, en gros, entre guillemets, d'exploiter un petit peu la misère, c'est-à-dire de proposer des temps partiels mal rémunérés. Donc vous avez tenu à répondre de façon directe dans ce livre. Oui, je rêve. Moi, j'ai d'autres rêves. Mais vous aimeriez l'avoir ici à côté, là. D'ailleurs, une de mes collaboratrices m'a préparé une lettre ouverte. Je l'attends, ce monsieur. Je rêve de le rencontrer, je te jure, je rêve. Je rêve parce que je nettoie l'Assemblée nationale. Et le jour de, avant le Covid, c'est la journée de la femme, je crois. Il est arrivé le matin, il est arrivé l'après-midi ou le matin à l'Assemblée nationale. Il a fait toute une tirade. Ce matin, en arrivant à 5 heures, j'ai vu ces braves femmes qui travaillaient dans l'ombre, qui sont mal payées, qui n'ont pas de 13e mois, qui n'ont pas de carte de transport. Alors, c'est pas vrai, parce que la carte de transport à Paris, c'est obligatoire, qui sont payées au ras des pâquerettes, elles se cachent. Bon, la misère du monde. Très bien. Et donc, j'ai été vexé. Je lui ai écrit. Il ne m'a pas répondu, la première fois, parce que j'ai demandé qu'il m'explique. S'il voulait, plutôt qu'elle vienne à 5 heures du matin nettoyer l'Assemblée nationale, si vous voulez qu'elle se passe l'après-midi, quand elle est en train de parler avec l'aspiro. Excusez-moi, pardon. Alors moi, ça me ferait la pub, mais tu verras Pierre partout, c'est top. Mais bon, donc ces discours, une fois que tu as nettoyé les bureaux, bah, tu ne vas pas passer la journée. Donc le temps partiel, c'est comment on fait ? Bas salaire. Alors bas salaire, je lui ai réécrit. Appel d'offres à l'Assemblée nationale. Et bien, ils ont trouvé moins cher que moi. Quand on dit moins cher, ça veut dire qu'on tire encore sur l'ambulance, que les braves femmes à qui je payais 4 heures ou 5 heures tous les jours pour faire du ménage, on les a passées à 4h30 parce que la marge, il faut bien la faire, sur le dos de la bête, comme on dit. Donc je lui écris et j'attends encore sa réponse. J'en ai marre de ces discours. C'est insupportable. Parce que moi, aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai des gens chez moi, ils sont à temps partiel, ils ont une feuille de paye. Grâce à un CDI, à une feuille de paye, ils ne sont pas obligés d'aller chez Emmaüs pour s'acheter un meuble. Ils peuvent aller chez Boulanger, ils peuvent aller là où ils veulent, ils peuvent faire un crédit. Le matin, ils se lèvent, ils vont voir leurs enfants, les voient bosser. Ils ont une feuille de paye, ils sont reçus, ils ont un comité d'entreprise, on a des psychologues ou des psychiatres, machin. Ils ont la médecine du travail, ils ont plein de choses. Ils sont assistés et c'est une très belle chose, c'est une vie. Mais comment on peut critiquer tout le temps ces discours démagogiques qui me montrent comment il faut faire? Quand je nettoie la piscine le matin, la piscine, une fois que vous avez nettoyé le vestiaire, la brave dame, elle a 2 ou 3 heures pour nettoyer les vestiaires. On va lui payer la journée pour nettoyer les vestiaires. Qu'est-ce qu'elle va faire dans les vestiaires après? Le service à la personne, quand je m'occupe de vos parents, on va venir 3 heures faire la toilette, s'occuper, leur donner à manger, le maison. On va rester la journée. Et qui va payer? Facile, ces discours. Il est insupportable, ce type. Mais après, très concrètement, ces gens-là qui bossent à temps partiel, pour vivre, ils ont plusieurs contrats à temps partiel. Comment ils s'en sortent? Je ne sais pas s'ils ont... Oui, souvent, ils sont multi-employeurs. Ils ont toujours un peu des défis difficiles. Il y a des familles monoparentales. Bon, d'accord, mais ce n'est pas la misère du monde. Parce que, vous savez, l'autre jour, ma fille me dit, tu sais, papa, il faut qu'on organise un truc. On a je ne sais pas combien de gens que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là. On va leur faire un cadeau. On va faire... Bon, moi, je ne remets pas les médailles de travail toutes les semaines. Hein. Mais bon, mais on va faire... On a je ne sais pas combien de gens qui sont là depuis 20 ans chez nous. Donc, ça veut dire qu'ils s'y retrouvent. Ça veut dire qu'ils sont bien.
L'autre matin, je ne pensais jamais dans ma vie que j'irais à la FNAC signer des dédicaces. L'autre matin, samedi dernier, j'arrive à la FNAC, à 10h, la première personne qui vient faire une dédicace à la FNAC, j'ai la photo, elle vient avec la blouse à PR, et son frère, il nettoie c'est moi qui nettoie le palais des Pyrénées, vous direz que c'est propre, devant la FNAC, on nettoie à 5h du matin, et sa sœur, elle vient chercher un livre à 10h. Donc c'est des belles choses, il ne faut pas croire. Alors, il y a ce moment que vous racontez en longueur dans le livre, de mars 2018, alors vous apprenez la nouvelle en novembre de l'année d'avant. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, vous reçoit à Bercy, avec François Bayrou, je crois, pour vous remettre en personne la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite. À quoi pensez-vous à ce moment-là? À vos parents? Ben, quand j'ouvre l'enveloppe, je pense déjà que j'ai un PV. Un truc même la rouge, ça y est, encore la préfecture, j'ai chopé encore un radar. Et aujourd'hui, non, mais quand j'ai ouvert ça, je me demandais ce que c'était, parce que je n'ai jamais rien demandé. Et je me suis dit, tiens, c'est un préfet qui avait demandé ça pour moi. Et François Bayrou m'appelle en suivant, il me dit, voilà, qui veux-tu qu'il te remette la médaille? Ben, je lui dis, écoute, il y a un jeune là, qui vient d'être élu à l'Élysée, là. Il aime bien les patrons, il aime bien l'entreprise, tu pourrais lui demander. Il me dit, à l'époque, François était, il est toujours certainement, mais il était avec M. Macron. Il est toujours aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles, ils sont toujours ensemble. Et donc, si vous voulez, je lui dis, bah, écoute, le président. Alors, il me dit, oui, c'est bien le président, mais le problème, c'est que le jour où tu vas y arriver, si à ce moment-là, il y a un incident n'importe où, en France, dans le monde, il ne va pas dire je ne viens pas, il ne va pas dire à Joe Biden j'arrive pas parce qu'il y a Cascarère à l'Élysée. Alors, si je me retrouvais avec mes petits fours, mon champagne et mes amis dans la rue, c'était pas top. Alors, je lui dis écoute, il me dit si tu veux à Bercy, et je trouvais que Bercy c'était quand même pas mal. Il y a un canal, machin. Être reçu à Bercy sans avoir d'amende, sans avoir de retard d'impôt et être une médaille, c'est quand même pas mal. On sent aujourd'hui que vous êtes également très fier de présenter votre livre, un petit peu comme un gosse. Un vrai plaisir depuis quelques semaines que je lis sur votre visage. Qu'est-ce qui a résonné le plus fort en vous, la médaille ou ce livre? La médaille, c'était collectif. Mes amis sont venus, mes collaborateurs sont venus, quelques happy few de peau, machin. Les gens sont venus, c'était bien. Quand vous êtes là sur un pupitre et qu'on dit « Monsieur le ministre », alors quand il arrive, tu as l'impression que tu le connais parce qu'il le voit tous les jours à la télé, donc tu te dis « c'est un copain », il te fait un discours, tu es champion du monde, il parle très bien. Non, c'était pas mal. Il connaît votre vie par cœur ? Hein ? Il connaît votre vie par cœur ? Ah ouais, mais je pense que François Bayrou lui avait laissé des messages. Et merci François. Et le livre ? Non, le livre, c'est vraiment que du bonheur. Je marche sur l'eau. Là. Vous m'avez... Je marche sur l'eau. Là, je ne peux pas le raconter, mais hier soir, j'ai encore appris un truc pour mon livre. Il est en train de partir à Paris. Quelqu'un l'amène en main propre à quelqu'un. Donc, que du bonheur. J'ai plus de 200 messages. Il y a quelques jours, vous m'avez confié votre émotion quand vous êtes allé chercher les premiers exemplaires tirés, que vous les aviez sur votre voiture en écoutant les Stones. Ouais. Votre tête sur les livres à côté. Dans la voiture. J'ai mis mon livre à côté, j'étais le chercher, et je me suis dit, moi, j'ai une sœur qui a 10 ans de plus que moi, j'ai jamais eu de frère, je me disais, bon, on dirait que c'est mon frère jumeau, je roule à côté avec mon bouquin, et c'est une image que je garderai dans ma tête. Et c'était, sur l'A64, le bonheur selon... C'était rock'n'roll, ouais, c'était pas mal. Selon Philippe Cascarère. Comment ? Sur l'A64, en Porsche, le bonheur selon Philippe Cascarère. Ouais, ouais. Les Rolling Stones, bien, son livre. Moi, j'ai les bonheurs simples, tu sais, c'est pas... Voilà, c'est des choses comme ça. C'est un livre de transmission. Alors, vous l'avez dit par rapport à vos enfants. Quel message voulez-vous leur faire passer? Quel héritage moral voulez-vous leur laisser à vos enfants? Mes enfants, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas appris grand-chose puisqu'on s'est pensé parler. Mes enfants, ils ont une éducation. Ils ont été très bien élevés par leur maman. Moi, je n'ai pas toujours le temps. Non, ils sont vaillants, ils sont, d'après ce que j'ai compris, ça se passe très bien avec les collaborateurs, ils ont leur idée.
J'espère qu'ils pourront continuer. C'est pas facile. Ils arrivent dans une époque où c'est difficile. Mais moi, depuis que je travaille, ça a toujours été difficile. Donc, non, ils ont une belle. Ils embauchent, ils continuent à embaucher, on continue à se développer. Non. Le message, c'est que pas facile, certainement pour eux, d'être le fils ou la fille de Philippe Cascarère, et ton père. Bon, ça peut être toujours facile pour eux, mais non, moi je les aime et on les unit. Et leur entente, c'est ce qui m'a rendu le plus fier. Quoi. Transmission par rapport à la jeunesse. Vous êtes d'ailleurs administrateur de l'école de la seconde chance. Vous avez eu aussi un rôle dans El Camino. Quel message d'espoir voulez-vous transmettre à la génération suivante ? Ouais, d'abord, j'en profite d'abord pour remercier Jean Lacoste pour le Camino, Frédéric Morando et Faisal Karaoui qui m'ont nommé président du fonds de dotation de Camino. Ça, c'est une très, très belle chose. Dans le livre de Camino, je ne sais pas si vous l'avez acheté ou achetez-le un jour, il y a une très belle photo. Tu as un gosse avec un ballon sous le bras. Sous l'autre bras, il a un violon et des partitions peut-être de Bach, de Mozart. Il rentre dans la cité où la musique classique, elle ne rentrait pas. Bon, chez moi, elle ne rentrait pas non plus. Hein. Enfin, je pointe ça maintenant. Elle ne rentrait pas. Et c'est formidable parce que c'est des jeunes qui travaillent, qui se parlent. Donc voilà, des raisons d'espérer avec Camino. Ça, c'est une belle chose. Et l'école de la deuxième chance, elle est tenue par le directeur, par Magide et toute son équipe. C'est formidable. C'est des gens, alors là, je suis administrateur, et ça, j'ai vraiment envie de m'investir. J'ai embauché un jeune de l'école de la deuxième chance, je ne sais pas de quel pays il vient, on s'en fout, peu importe. C'est un gosse qui était arrivé, il est venu faire un stage de jardin. Aujourd'hui, il a passé le permis de conduire. Il arrive qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il arrive avec sa patinette, sa trottinette tous les matins. Il s'est loué un studio. C'est le bonheur. Voilà. Et leur donner envie. Il faut avoir des modèles. Il faut leur donner envie. Il faut arrêter de donner, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a de chance pour entre Camino, l'école de la deuxième chance. Non. Et puis tous ces jeunes qui veulent être entrepreneurs, moi, j'ai envie de les aider. C'est facile. Alors vous allez me dire, souvent on vous dit, ouais mais alors à ton époque, bon déjà à mon époque il n'y avait pas la guerre, hein, je n'ai pas connu moi, la guerre. Donc à mon époque, alors oui c'était les années 80, 90, on pouvait, non je ne peux pas le dire, on pouvait rouler bourré, mais bon ça, on ne peut plus le dire. Mais sérieusement, mais la différence aujourd'hui c'est que on le voit tous les jours, en ce moment, Starbucks, c'est comme ça qu'on dit, Starbucks ouvre un commerce, toutes les 9 heures en Chine parce que les Chinois se sont mis à boire du café. C'est ça les opportunités. Un matin, si tu vas aller vendre du café à Shanghai ou à Pékin, ben, peut-être que tu gagneras de l'argent. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Il ne faut pas croire. Il y a toujours quelque chose à faire. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut leur dire. Il faut leur donner envie. Il faut arrêter le journal des mauvaises nouvelles. Quoi. À quand votre chaîne YouTube pour les encourager Mais écoutez, si j'ai passé un message, j'ai mis une annonce. Je cherche quelqu'un pour travailler. Alors, par contre, c'est pour travailler avec moi. Ça va être plus compliqué. Mais justement, pour travailler sur les réseaux, parce que je veux. Mon business, c'est ça. Je veux absolument. Si demain il y a un gosse que je peux inspirer, mon livre aura servi. Voilà. C'est une belle chose. Alors, ce livre n'est peut-être pas une fin en soi. Il y aura un tome 2 ? Non. Un tome 2. Ouais, j'y pense. Bon, d'abord, je voudrais le mettre en bande dessinée. Parce que je verrais bien Cascarère à fond qui arrive, qui commande, qui gueule. Ça fera plaisir à mes collaboratrices. Je verrais bien une bande dessinée là-dessus. Bon, il faut que j'emberge. Certains me prédisent un one-man show. Bon, on verra bien. Alors, j'ai des camions pour amener le matos pour aller faire une tournée. Non, plus sérieusement. Vous prenez des cours de théâtre ? Non, mais sérieusement, je verrais bien une bande dessinée. Pourquoi pas ? Pour la Donne le Gop, je vais aller dans les écoles. Et un tome 2, oui, je vais, pourquoi pas, il faut réfléchir. Jean, si tu m'écoutes, réfléchis avec moi et de moi. Est-ce que vous avez des regrets au bout du compte ? Des regrets, des remords, non, c'est facile. Le regret que j'ai, c'est de pas. Je pense que ça a été titré l'autre jour dans un des journaux. Autodidacte, un bac plus 2, c'était peut-être pas plus mal. Le regret, c'est de ne pas m'être installé à Paris, à l'époque. Parce que là, je pense que ma vie aurait été différente. Là, ça ne serait pas en Porsche, ça serait en Falcon.
Oui, mais vous auriez peut-être pas eu l'ancrage que vous avez aujourd'hui avec le Béarn, avec Pau. Ouais. Avec, Et puis, je termine mon livre avec ça, d'ailleurs. Regarder en arrière, John Lennon disait que regarder en arrière, c'est pas rock'n'roll. Donc, bon, je sais pas. Je regarde pas derrière. Je regarde toujours devant. Parce que je suis quelqu'un, ça aussi, je le dis beaucoup. Toute ma vie, j'ai toujours vu le verre à moitié plein, jamais à moitié vide. C'est pas. Il faut tracer. J'aime la boxe, bah tu frappes et après tu discutes. C'est comme ça. Et puisqu'on est dans les raisons d'espérer, il y a une notion au-delà du travail, de la persévérance, de la curiosité, qui vous tient à cœur, c'est, et on n'en parle pas tellement, c'est le plaisir. Le plaisir. Bah, le plaisir, c'est ouais, c'est le plaisir, c'est la vie, c'est le plaisir de. Ouais, je vous dis, le plaisir d'avoir une vie. L'autre jour, on s'est réunis, on était tous les chefs d'APR, j'ai même fait venir les gens de Paris, pour mon livre, on était une centaine. Ça, c'est du bonheur, tu as des messages. J'ai reçu un message d'une jeune femme qui a travaillé 6-7 mois, il y a 5-6 ans chez APR. Je suis votre fan, j'arrive de Toulouse, elle est venue avec son gosse à la FNAC samedi, depuis Toulouse, pour faire dédicacer son livre. Ça, c'est du plaisir, c'est du bonheur, des plaisirs simples, les rencontres dans la vie, les rencontres improbables, les gens que tu vois aujourd'hui, ben, c'est du bonheur. D'ailleurs, en partant, il faut que je fasse une photo, parce que c'est trop beau. Il ne faut pas que j'oublie. Mick Jagger, merci. Philippe Cascard, merci.